Nous sommes à Brooks, dans le nord-ouest du Minnesota. Population 139 habitants. Une bourgade typique de cet état du Midwest, et pourtant, c'est dans ce bar perdu au milieu des champs que le français se fraye un chemin jusqu'à nos oreilles. Il y avait des parentaux, puis il y avait des parisiens. Ils égrènent les noms des familles qui ont peuplé cette région du nord-ouest du Minnesota pour fuir la misère. Des Québécois qui ont pris la route des États-Unis à la fin du 19e siècle. Depuis, dans les cimetières des environs, les tombes témoignent de cette présence canadienne-française à laquelle certains souhaitent redonner un second souffle. We have to use the opportunity to get to know each other. À 73 ans, Virgile Benoît est la mémoire vivante de cette communauté. Eh bien, je me souviens, on pouvait passer des semaines rien qu'à parler français, parce qu'il y avait des voisins, il y avait de la parenté qui venait le dimanche. Il y a 36 ans, lui et une poignée de passionnés ont eu l'idée de créer un festival culturel qui rendrait hommage à l'héritage canadien-français de la région. Le festival Chautauqua était né. J'avais l'idée, moi, de démarrer quelque chose qui pouvait souligner la présence des Canadiens français. Parce que le Canadien, il s'affirme pas trop. Musique, artisanat, nourriture. Chaque été, en août, le festival rappelle au public ses origines. Mais gros grand-père a atterri ici. Les ancêtres de Larry Vaudrin ont fait le chemin depuis Trois-Rivières. À 87 ans, c'est l'un des derniers témoins d'une période dont bientôt seuls les livres d'histoire parleront. Tout le monde parlait français dans le village ? Tout le monde. Yeah. Il n'y avait qu'il pouvait parler anglais, tu vois. Mon grand-père Vaudrin n'a jamais parlé anglais. Comme la plupart des gens de son âge, Larry n'a appris l'anglais qu'une fois entré à l'école. Quand j'ai commencé, je ne savais pas un mot en anglais. Il avoue qu'aujourd'hui, le français est un lointain souvenir. Je ne parle pas trop bien, je l'ai tout oublié et je n'ai pas personne pour parler avec. Dans l'annuaire local, Clarence Gagné se fait appeler Frenchy. Si les souvenirs de son enfance passée en français sont encore là, il se sent aussi américain que le drapeau qui flotte fièrement sur sa pelouse. Bon nombre de ses ancêtres sont enterrés ici, dans le cimetière de la communauté de Terrebonne, où il a toujours vécu. C'est toute ma famille ici, tout ici, puis mon frère c'est Jérôme, puis un autre frère Freddy. Mais que reste-t-il de cet héritage, maintenant que le français a pratiquement disparu de la région? Virgile Benoît, lui, croit avoir la réponse. Il y a un côté intime en chacun qui vit ici, que la langue française a joué un rôle qu'il faut respecter. Ici Pierre Verrière, Radio-Canada, Terrebonne, au Minnesota.